Alors oui bonjour à tous mes frères et messieurs, sœurs Mauricie, et mauriciennes n'importe dans de tout même dans Maurice dans le nord dans le sud dans l'est dans l'ouest de l'île soit sur le centre le plateau Amen que le Seigneur vous bénisse Dieu dit bon Dieu dit bon Dieu dit bon Dieu dit bon si vous êtes en Europe que Dieu vous bénisse ceux qui sont en Angleterre en Irlande en France en Italie en Belgique que Dieu vous bénisse ceux qui sont au Canada que Dieu vous bénisse ceux qui sont en Australie que Dieu vous bénisse alors dans flat je te bénis. Dans Rivière-des-Anguilles, je te bénis. Dans Vacroix, je te bénis. Dans Roisille, je te bénis. Amen. Dans Quatre-Bonds, je te bénis. Je te bénis. Amen. Dans port je te bénis. Dans Kiyopip, je te bénis. N'importe quel endroit, je trouve, je te m'aime. Je te bénis, 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 bénis. Bonsoir à tous, mes frères et mes sœurs. Dieu dit bon, Dieu dit bon, Dieu dit bon. De retour en Amérique pour deux, trois jours. Mardi prochain, je peux prendre un avion encore. Je peux aller en Afrique. Hier, yeah, je m'étais atterri. Comment on a atterri on prend le tour, on aller mon on a prêché directement dans l'église. Amen, amen, amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Nous remercions Dieu pour le courage qu'il donne nous, pour le travail pour lui. Amen, pour le travail pour lui. Alors, bonsoir à tous. notre me nom. Bonsoir Gary Subha, Bonsoir Chandrani. Bonsoir Kian Twin. Jessica, Bonsoir. Bonsoir à tous. Niamala, bonsoir. Mina Jukit, bonsoir. Kian Twin, bonsoir. Marie Kichel, bonsoir. Scarlett, bonsoir. Maya Anthony, bonsoir. Bonsoir à tous. Kamla Naiko, bonsoir. Amen. Jocelyne, bien-aimée, bonsoir. Christiane Perrette, bonsoir. Colette Le Gallant, bonsoir. Valérie Moutia Maté, bonsoir. Anthony Véraud, bonsoir. Je tue, je touche, je tue, je tue, bonsoir. Que le Seigneur... Euh, Uh, Bénédicte, Bianca, bonsoir, amen. Le Seigneur bénit toi et Jean-Pierre. Que le Seigneur vous bénisse. Alors rapidement aujourd'hui les trois qui s'annoncent et puis nous pourrons directement dans la parole dans le deuxième message. Pharaon, arrête, suive moi Arrête, suive moi Amen, amen, amen. Alors comme d'habitude c'est pas qu'on subscribe avec nos YouTube channels, subscribe avec nos YouTube channels, je pourrais être uh, uh, gain live notifications <coughs> quand on est live. Amen, c'est le que l'ONU Faith Radio, Allons l'ONU Faith Radio, justement en parlant Faith Life Radio, maintenant nous avons une autre affaire à part Faith Life Radio, nous avons une propre chaîne, nous avons une propre chaîne de télé, Amen, le Roku, Amen, appel Faith Life TV, une propre chaîne qui l'évangile, là. nous le faites comment on se lit? nous une fête qui commence là et nous peut trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui viennent pour milliers puissent venir. Amen, Amen, Amen. Alors, si je êtes dans Roku Maurice, je ne sais pas si vous dans Roku Maurice. Ok, je euh, ne sais pas si vous êtes dans le Roku Maurice. Vous pouvez cliquer sur Roku. Ok. Et en France, et en a en Angleterre en Ali. Amen. Les les a je mets dans la télévision. Regardez, c'est une chaîne chrétienne. Et nous avons une propre chaîne chrétienne, Faithlife TV. Nous nous faisons comment lit notre chaîne ça. Amen. Et nous parlons, Amazon, euh, nous parlons Amazon Fire. Ici. Nous parlons partout. Nous parlons partout. Et voilà, c'est pour cela qu'il fait notre partnership avec nous. Il est bien important parce qu'il prend tout ce qu'il a qui semé dans l'évangile pour mettre. Amen. Dans l'évangile, afin que l'évangile soit capable d'éparpiller partout dans le monde. Alors, si tu peux encore venir en partenaire avec nous, me demande-toi, venir en partenaire avec nous, et te pour être béni, béni, béni. Et je connais que tous les mois, nous sème dans la vie un message spécial. Zis partner. nous, Alors, je suis capable de donner euh, à venir en partenaire, et d'avoir un message en privé, comment je suis capable de venir en partenaire avec moi. Amen. 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 Et n'oublie pas que... en Septembre 15, 16 et 17. Amen. Septembre 15, 16 et 17, trois jours de l'enseignement. School of Prayer and the Supernatural, l'école de prière et le surnaturel. Amen. Je prie pour trois jours de propagation nulle part. N'importe qui mourrait dans n'importe qui endroit. Amen. N'importe qui la ville, qui village, tout dans le monde entier. Amen. Amen. Jamais je ne peux gagner dans le monde entier. Trois jours de l'enseignement intense. Pour 500 rupees. Voilà comment je trouve l'instruction. L'eau, l'écran. Je vais copier pareil. Amen. Nous préférons que vous autres par notre site web, glenaricure.org. s o Amen. Alors, et puis si on veut faire l'eau juste, regardez pas juste. Comment je trouve l'eau là Ok, comment je trouve l'eau, l'eau, l'écran. Suivez exactement pareil, pareil, pareil. Le Dieu n'en dans parce qu'il y a une erreur dans l'application euh, quand je ne fais mon, euh, mon compte, ok? Alors voilà, voilà, mais sinon, naturellement parlant, tout le temps, il y a n dans mon nom, dans mon nom. Voilà! Est-ce qu'il nous prête pour la parole de Dieu ce soir? Est-ce qu'il nous prête Me demande-toi s'il te plaît, ce capable de porter ce message-là et je peux être béni, je peux bénir les autres dîmes aussi pour être capable recevoir la parole de Dieu. Amen, Amen, Amen. Alors, nous, 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 nous avons le deuxième message. Pharaon ne me suit plus. Amen. Nous, nous commençons dimanche passé et nous pouvons finir demain à aujourd'hui. Et puis, n'oublie pas que demain, vendredi, tu dis, monisse avec moi, demain, vendredi, y a demain, vendredi, quelle heure À 9h, 21h, pile à Maurice. Je vais être moi là qu'il y a, là. 21h pile à Maurice, nous prenons un réunion de prière qui peut durer pendant 2 heures. OK Réunion de prière qui peut durer pendant deux heures, mais te rentrer avant 9h. Pas après 9h. Pas vraiment, tu textes après 9h. Aïe, moi, je vais dire, rentre dans la prayer room. Mon pas écoute-toi, mon papa. Peux écouter, toi, moi, papa peux, parce que je peux concentrer, le Jimoun, qui dans la prayer room. Ok, mon papa est capable de prier en même temps et de te mettre un message. Non, 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 non. En fait, Prends toutes tes dispositions pour te rentrer avant 9h, avant, avant 21h, Maurice. Ça veut dire, je euh, peux en mettre fait là, l'air. Amen. N'oublie pas que l'air, c'est l'heure. Ok, nous commençons 21h, nous pouvons finir 23h. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Alors, s'il vous plaît. Amen. Et les poubons qui ferment exiger qu'ils nous rendent à l'air parce que trop beaucoup Mauriciens. Moi, Mauriciens, je ne suis pas capable de dire pas avec ma jute. Amen. Tout le temps en retard. Tout le temps en retard. Et ça fatigue moi. Quand je trouve Jimoun en retard, ça fatigue moins. Je ne suis pas capable de supporter ça. Quand Jimoun, je disais, c'était à 10, c'était à 15. Jimoun est venu à 21h. Il est rentré 21h15 et il n'a pas pas à rayon comme ça rayon de prière les pour 9h à 10h ou soit 11h et n'a pas venir 11h 5 mais donne-moi de malent que dans les... <laughs> la prière mon dieu mon dieu mon dieu quand même amen quand même nous sommes capables un, de capable nos nous parler de nous le temps hein Amen, 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 Amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous de la tête de nous prier nous rendons directement dans la parole de Dieu. Seigneur mon Dieu, me remercie-toi pour la parole de Dieu. Mon remercie-toi pour ce peuple merveilleux, Seigneur, qui se content de la parole de Dieu, qui je' n'a soif pour la parole de Dieu, qui se soit de pour donner oreilles pour entendre, l'intelligence pour comprendre, les yeux pour trouver et le cœur pour recevoir la parole de la foi, la parole de l'espoir, la parole de victoire. La parole de rédemption, Seigneur, ouvert nous ce soir, afin que nous puissions comprendre. Et Seigneur, me soumettre moi-même euh, avec toi ce soir, sous le, la main du grand Saint-Esprit. C'est lui-même le grand enseignant de l'Église qui les pensait à travers mon la bouche, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, lève-toi la main là avec moi et dis avec moi, Pharaon, arrête, suive-moi. Encore une fois, Pharaon, arrête, suive-moi. Ne me suis plus. Amen, Amen. Alors, un petit recap après nous capables d'aller dans le message aujourd'hui. Je bon, t'explique toi bonne caractéristique de ce que c'est l'esprit pharaonique. ok? Premièrement, on a découvert que Pharaon, son nom, définir, signifie destructeur, ou soit bouche du soleil, ou soit fils du soleil. Ben, pour ben, euh, Pharaon, c'était ben les rois égyptiens, ils étaient considérés comme un dieu. OK et et l'esprit pharaonique est lié à la destruction de bonnes choses dans leur enfance est-ce que je peux comprendre moi là maintenant nous comprenons que pharaon écrit ça dans toute la bible dans ton cahier pharaon il y a un portrait il y a un genre lien type de satan l'Égypte un type du de cette monde et Israël, c'est un type, un genre, un portrait du peuple de Dieu. Est-ce qu'il te fait comprendre moi là? Alors, nous découvrons alors, voilà, une caractéristique de Pharaon ou soit l'esprit pharaonique. Premièrement, nous découvrons que l'esprit pharaonique est conscient du timing de la parole prophétique ou de, 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 de promesses prophétiques et il vise pour avoir par euh, cette parole, cette promesse prophétique, par la ruse et l'esclavage. Amen, amen, amen. Deuxième chose qu'il a découvert, amen, c'est que l'esprit pharaonique, les tuer, nous, identité. Les rend nous esclaves, a envie contrôle nous la vie. Amen. a envie contrôle le premier nœud de Dieu pour faire nous, Binman, un esclave. Les tuer, nous, euh, identité. Est-ce que je peux comprendre moi là c'est ça l'esprit pharaonique. Au lieu qu'il te trouve toi-même comme un enfant de Dieu, comme un premier-né de Dieu, te trouves toi maintenant pour agir, pour penser, pour causer comme un esclave. Beaucoup de chrétiens, amen, nés de nouveau, mais je ont encore une mentalité d'esclavage, une mentalité de servitude, et je te cause. Je connais que tu étais. Écoute-moi bien maintenant, écoute-moi bien, écoute-moi bien dans mon figure. Je connais que tu étais dans de la vie. « Si tu es dans la foi ou dans la crainte, pas as parole qui sortent de ta bouche. »« Tes paroles révèlent ta position. »« Dis ça avec moi. »« parole, paroles révèle ma position. »« Tes paroles révèlent la condition de ton cœur. »« révèle révèlent chose qui est à l'intérieur de toi. » Parce que Jésus-Christ, il dit comme ça, de l'abondance de le la cœur, de la bouche, les causer. Ça veut dire facilement me découvrir que tu étais dans la vie. Comme écoute-toi causer. Comme écoute-toi causer. Est-ce qu'il te peut comprendre moi là? Alors, numéro 3, l'esprit pharaonique lit la guerre. Amen. Pour lire à votre prochaine génération de guerriers. Parce qu'il les connaît à travers... Nouveau génération pour avoir un nouveau libérateur. Quatrième, nous avons découvert que l'esprit pharaonique a envie d'étrier tout tous les ben, sémences. masculine. Masculin. Amen. Il pas content leadership, il le pas content virilité. Je être à moi, c'est pour cela que je ce nous voit là nous n'avons pas besoin d'un qui pense qu'il y a une femme et nous n'avons pas besoin de femmes qui pensent qu'il y a un homme. Non. Les hommes les ressortent sur la ligne, les femmes ressortent sur la ligne. Amen, amen, amen. Numéro 5, nous découvrons que l'esprit pharaonique amène restreint dans la vie, l'empêchement et il met lors, nous met limitation dans la vie. Numéro 6, nous découvrons que l'esprit pharaonique détourne nous détourne de, de notre but véritable. Okay? Il fait nous construire pour lui, pour les autres et non pas pour nous-mêmes. Et non pas pour nous-mêmes. Tu peux travailler, et l'autre qui peut venir riche, toi tu peux gagner un petit salaire d'esclavage. Non, 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 non. Tu dépenses ton l'énergie, pour faire les autres djimmons venir riches. Est-ce que tu peux comprendre moi là Ok, numéro 7, nous avons découvert que l'esprit pharaonique, il engage engager ce ban agent humain, ok, ce ban sorcier, et la sorcellerie pour retarder et dévier le destiné, détourner le destiné. Je pétale moi, mes frères et mes soeurs. Numéro 8, nous découvert l'esprit pharaonique. Amen. Le parler qui te adore, bon Dieu. L'Ipalé qui empêche, adore, bon Dieu. Et qui te passe le temps avec Dieu. Numéro 9, nous découvrons qu'il l'esprit pharaonique. est un esprit entêté, obstiné. Et qui peut être facilement euh, dissuadé. Je pétale moi là. lit. Il vit même là les continue, les OK Nous découvrons aussi que l'esprit pharaonique malgré qu'il te quitte l'Égypte, il peut toujours te suivre toi jusqu'à l'y noyer, jusqu'à te pas encore. C'est pour cela que Moïse il dit "Pharaon te pas pour mon visage encore, te pas mon visage encore." Alors, maintenant nous commençons avec nos messages aujourd'hui. Et n'a crayon papier, amen cahier, l'ardoise, on n'a pas connecté à l'utiliser. Comme tu si Maurice, dit, le dernier mois, là, on trouve l'ardoise. Je <laughs> suis content. Amen, amen, amen. C'est même le premier iPad, l'ardoise. Amen, amen, amen. Le Seigneur dit bon, le Seigneur dit bon, le Seigneur dit est bon. Est-ce qu'il est capable de moi un bon? Amen, aujourd'hui. Alors, si nous sommes alors, nous commençons. rappelle vous en encore une fois que Pharaon, il y a un genre, il y a un portrait, il y a un type de Satan. L'Égypte, l'ien y a type, il y a portrait, il y a genre de ce monde, tandis que Israël, l'ien y a un type, il y a genre, il y a portrait du peuple de Dieu. Amen. Maintenant, on nous dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11. S'il vous plaît, Paul dit nous comme ça. Ce chose leurs sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Les aînés comme ça, ça des histoires qu'ils nous trouvent. Là, c'est pas des pas des histoires ah, oui, get ce que ça une jolie histoire, ça. Non, 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 non. Quand tu peux lire la Bible, tu peux pas lire un livre -romans. romantique. Je sais pas comment vous dites, moi, du maurice OK Une romance. Tu ne pas appeler un livre romance, un okay, livre romantique, un comique, et te contente ces histoires-là. Non! Oui, il est vrai que la Bible, il y a a de jolies histoires là-dedans, il y a de grande, grandes, grandes histoires, mais ces histoires-là, Amen, Dieu envie d'utiliser ça pour toi, qu'il te utilise, servir la sagesse qu'il trouve dans ces histoires-là, Amen, afin qu'il te pas vivre de la vie actuellement, lors de la terre. Alors! C'est pour cela que Paul dit nous comme ça, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, pour nos victoires, pour nos instructions. Amen, pour nos sagesse. Amen, Amen, Amen. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire avec des choses très importantes. Amen, très importantes. Des choses numéro un, -en. un, hein? encore N, caractéristiques de l'esprit pharaonique. Et deuxièmement, et ça, euh, dans sa dans numéro 1, il y a beaucoup d'étapes. Et puis deuxièmement, comment nous, bizarre, traite avec un pharaon une fois pour toutes. Comment nous sommes capables débarrasser nous de cet esprit pharaonique. Amen. D'ailleurs, demain, dans nos rayons de prière, mes frères et mes soeurs, bien-aimés, nous pouvons euh, passer beaucoup de temps, dire avec cet esprit. Pharaonique là. Amen. Alors, ce soir, aujourd'hui, nous sommes capables de dire les, les premiers points aujourd'hui, mais nous pouvons dire le point numéro 12 si nous continuons depuis, euh, depuis dimanche. Point numéro 12, ou soit, premier point aujourd'hui. Écris ça, écoute-moi bien maintenant, parce qu'il y a quelque chose qui m'a poussé toi aujourd'hui, qui peut-être peut pas si conscient de ça. Tu peux te liger pour ouvrir, tu pour comprendre qui m'a à toi. Alors, écris-les. Point numéro 12, c'est le conseil depuis dimanche. Mais point numéro 1, aujourd'hui. Parce qu'il nous donne deuxi le deuxième message. L'esprit pharaonique les travaille, les visait pour empêche toi de servir bon Dieu. Ah! Est-ce qu'il te peut comprendre, moi, là? On va te créer ça bien et clair. Ne pas pétonner, ne pas prendre le temps pour expliquer ça. l'esprit pharaonique, l'esprit de Pharaon, les travaille, il a l'œuvre, les visées, pour empêche-toi servir mon Dieu. Une des plus grandes batailles. Qui déroulait, qui est engagé, quand Moïse demande à Pharaon que le peuple quitte l'Égypte. Qui fait que le peuple quitte l'Égypte? Nous pouvons trouver ça ce Et nous pouvons trouver c'est la, la, la même qui, sa bataille-là, commence à amplifier, empirer, à plus dire, plus fort encore. Guet dans Exode chapitre 4, le verset 23. Dieu dit à Moïse, Alger Pharaon, guet bien, je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Souligne ça dans la Bible. Quand Dieu les sauve nous, les sauve nous, après nous, nous devons servir lui. Sauver. Pour servir. Dis ça avec moi. Sauver pour servir. Dieu dit comme ça, avec Pharaon Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le, de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né qui faire parce que Israël était connu comme le premier-né de Dieu. Amen. Israël, le peuple Israël, était connu comme le premier-né de Dieu. Dieu dit à lui comme ça, Pharaon, laisse mon peuple aller afin qu'ils soit capable de servir moi. Alors, maintenant, nous nous allons dans Exode chapitre 4, le verset 23. Nous descendre dans Exode chapitre 7, le verset 16. Tu peux tout savoir, tout dans la Bible dans le livre d'Exode, et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert, et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Dieu peut dire, laisse mon peuple aller afin qu'il soit capable de servir moi. Servis moi. Nous dans Exode maintenant chapitre 8 le verset 1 dépend qu'il habite mais la et pu... chapitre 7 le verset 26 l'Éternel dit à Moïse va vers Pharaon et il lui dira ainsi parle l'Éternel laisse aller mon peuple afin qu'il me serve bon, Nous nous juste trois exemples hein. mais tu es capable de -ali. depuis commencement Jusqu'à Pharaon mon Dieu dit comme ça Laisse-moi aller afin qu'il soit capable de servir moi. Amen, Amen, Amen. Que le nom de Dieu soit béni, 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 béni. Alors, dis avec moi Dieu sauve-moi pour servir. Pour pas attendre à nous tous faire sa confession là ensemble, s'il vous plaît. À nous tous faire sa confession là ensemble. Ensemble, s'il vous plaît. Je suis capable de dans cette morgue aujourd'hui Dieu avec moi. Dieu. Sauve-moi. Pas juste pour que je capable d'être télévision à l'aise. <laughs> je ne suis pas. Je peux faire la télévision pas. à l'aise amen pas. pas. Je toi afin que tu sois capable de faire à chinois à Je peux qui fait Dieu, il sauve nous. Oui, Dieu, il nous sauve, sur la grâce. Amen. Le ciel, c'est même nous l'héritage. Nous avons la vie éternelle avec nous. Mais un de man aussi, qui nous bien comprend, ce qui a fait qu'il nous capable de servir. -li. Amen. 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 Alors, Dieu avec... Lève-toi la main là-haut là avec moi. Et Dieu avec moi. Dieu, il sauve moi. Alors, Dieu avec moi. Dieu, il sauve moi. Et moi pour servir lui. Alors, lève la main avec moi. Avec moi, avec moi Dieu, il sauve moi. Pour moi, servi li Amen, Amen, Amen. Maintenant, servir bon Dieu. C'est ça même la plus haute vocation qui un capable et dans sa la vie. Maintenant, quand nous disons un Dieu sur vocation, et a pour dire, moi un avocat, et a pour dire, euh, moi un contrôleur, et a pour dire, euh, moi travail dans la banque. Amen. C'est ça même notre travail, notre vocation. Mais la plus vocation qui fait la plus haute vocation c'est servir bon dieu parce que tout ban les autres travail donne une récompense dans le monde mais elle a seul travail elle a une seule vocation quand nous la nous pouvons une récompense éternelle amen nous pouvons une couronne nous pouvons une reward c'est quand nous servir bon dieu je peux à moi là ta récompense te, te vocation naturelle, c'est l'argent, c'est de la paix. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais tandis que nous, nous pouvons servir bon Dieu, dans la terre, nous prenons une récompense dans le ciel, nous pouvons avoir une couronne dans le ciel, etc., etc., etc. Alors écoute bien maintenant. Alors, servir Dieu, c'est la plus haute vocation. Nous sommes sauvés afin de pouvoir... Servir Dieu, amen. Parce que servir bon Dieu, c'est le seul travail, seule vocation qui donne nous ben, une récompense éternelle. Donne-moi un bon amen ce soir. Alors maintenant que tu comprends ça, tu peux comprendre l'esprit pharaonique, Satan, les combat les la guerre, les détester l'œuvre de Dieu plus que toute œuvre. Qui te fait Écoute-moi bien. Il peut à ton travail. Qui fait Parce qu'il est pas de à la finance. Qui te maçon Qui te travaille secrétaire Qui te travaille dans l'école Qui te travaille. Peu importe ton travail. Amen. Il peut les ça afin que tu ne pas vivre suffisamment le qui te peut vivre dans le manquement. Mais maintenant, les détester l'œuvre de Dieu, citant, Amen, Les pouvait faire tout dans ce pouvoir pour arrêter toi, servir mon Dieu, afin de l'œuvre de Dieu. Comment les fait ça? Nous trouvait qui? Pharaon, il finit relâché, et ce bon sorcier, ce ban agent, Amen, démon, nous êtes là pour amener l'empêchement, pour faire l'obstacle et détruire l'œuvre de Dieu. Maintenant, c'est quoi l'œuvre de Dieu L'œuvre de Dieu, nous capable pouvons pas dire, comme ça, si c'est le ministère. Nous ne pouvons pas dire, c'est l'Église. L'Église, c'est l'œuvre de Dieu. Le ministère, c'est l'œuvre de Dieu. Le ministère, c'est l'œuvre de Dieu. Alors coupe bien maintenant, l'esprit qui, Satan commissionne et lui envoie, pour détruire l'œuvre de dieu les églises les ministères ton ministère pour empêcher toi de servir mon dieu c'est l'esprit pharaonique Ce peut moi là vous dire ça l'esprit pharaonique c'est un esprit anti progrès qui travaille qui a l'œuvre pour faire toi travail dur afin qu'il est capable empêche-toi servi bon Dieu, il fait toi travail dire sans qu'il te trouve le debout. Tu peux travailler normal time, double time, extra time, overtime, mais tu ne peux pas à joindre le debout. Et alors, si toi, tu travail, la vie dire, et la manquement de la vie, ça pas permet toi, ça pas donne toi l'occasion pour servir bon Dieu. Comment tu as envie de servir mon Dieu? Alors, ça, mon frère, mon frère, les limites, ça, Pharaon, il est là pour limiter toi et pour arrêter la croissance dans ton ministère, dans ton la vie. Beaucoup parmi ceux qui écoutent moi, je tenais à ça le pour servir mon Dieu, là. envie de servir mon Dieu. Mais je pas capable parce que je peine assez le temps. Maintenant, si tu donnes le temps à l'œuvre de Dieu, tu as suffisamment l'argent pour prendre soin de tout tes besoin. Alors, tu ne te sens -toi pas capable de à faire un à travail longue, longue distance. Donne-toi la vie, donne-toi la jeunesse, donne-toi l'air à quelque chose qui promet de toi un dans toute la vie. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de ministères, nous sommes victimes de cet esprit pharaonique. Pharaon les afflige, les le peuple de Dieu avec un travail lourd, pénible, et fait nous construire de la ville pour lui. Et dans Exode chapitre 1, le verset 10. Exode chapitre 1, le verset 10. Écoute-moi bien maintenant. Mon Jésus, point numéro 12, point numéro 1 aujourd'hui. L'esprit pharaonique, les travaille, les visait pour empêcher-toi de servir, mon Dieu. Alors, Exode chapitre 1, le verset 10, me poulier de la Bible de deux versions. Alors, allons, Pharaon peut causer. Montrons-nous habile à son égard. Empêchons, je trouve ça là, qu'il ne s'accroisse et, qu et que s'il survient une guerre, il ne se joint à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui, c'est-à-dire Israël, de chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. Tu trouves ça là? Un travail dur. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pitom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. On lit de la Bible d'Arbi. Pharaon dit Allons, soyons prudents à son égard, de peur qu'il ne se multiplie et que s'il arrivait une guerre, il se joigne lui aussi à nos ennemis et ne fasse la guerre contre nous et ne montre hors du pays. Verset 11. Et ils établirent. Sur lui, Israël, de chef de corvée pour l'opprimer par leur fardeau. Et il bâtit pour le pharaon de villes à Pithom et Ramsès. Au lieu que je peux bâtir pour eux-mêmes, je peux bâtir pour les autres. Je peux bâtir pour pharaon. C'est pharaon qui ne tchombe pas autres. Alors, Aujourd'hui, quand vous faites lier ce verset-là, écoutez-moi bien maintenant, je te, veux que vous ouvriez vos oreilles, ouvriez vos yeux, ouvriez tes cœurs, pour recevoir la parole de Dieu aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je veux qu'il te comprend. Ce qui te fait là, il y a une image emphatique, une image qui montre nous la vérité, qui est bien claire de nos travail séculier. Maintenant... L'important, qui te donne un travail séculier. Tout Djimoun, bisé travail, parce qu'il la Bible dit comme ça, si nous ne travaillons pas, travail, nous ne pas manger. Dieu n'est pas content de Djimoun paraissé. Tu peux moi là Maintenant, euh, Ben qui peut travailler dans un travail séculier, dans un emploi, et non, si tu peux travailler si dur, Long, longues heures. Je pétale moi. Et ça, empêche il pas permet il pas laisse-toi capable de servir la maison de Dieu. C'est vrai, c'est pas vrai. Les cas, les poules et les seigneurs, tu as envie de servir mon Dieu. Tu as envie de rentrer dans la, dans, dans la planitude qu'on appelle servir bon Dieu, mais tu n'es pas capable. Tu as en envie, mais tu n'es pas capable. Numéro, 1 tu es quitter la cage, parce pas qu'il y ait de bonheur. Prends deux, trois bis pour aller dans le travail. Là-bas, le travail là, Là, tu peux jouer avec des Je peux être là. Fini. Rentre la cage. Prends trois bis pour rentrer la cage. Quand tu rentres la cage, tu es fatigué. Tu n'as pas envie de faire un ornier. Manger même, tu n'as pas envie de manger. C'est tu es fatigué. Alors, ça ne permet pas de toi pour aller l'église, pour faire beaucoup de choses pour servir mon Dieu. Alors, nous dépensons toute notre énergie, nous dépensons, nous temps, nous jeunesse, avec beaucoup de choses, nous lâche avec beaucoup de choses, qui pas à faire avec l'œuvre de Dieu. Et ça, faites à comprendre. Si tu l'as comme ça, L'esprit pharaonique. une prend une puissance. l'auto la vie. Est-ce que tu peux comprendre moi là? Alors. De la même manière. L'esprit pharaonique. Les papous nous. Les détester. Les palais Qui nous servit bon Dieu. Et le moment. Que toi. Jessica. Valérie. Ruby. Niamala. Mina, Chandrani, Azizé, Sheila, Amen. Le moment qui te dit, ma poche à vie, bon Dieu, tu peux une bataille incroyable. Tu peux trouver quelque chose commence là, La vie vient dire. Tu peux trouver quelque chose pénible dans toute la vie. Quelque chose qui était facile avant, maintenant vient difficile. Est-ce qu'il se peut comprendre moi-là alors, les papoules laissent aller sans une bataille, sans une guerre. Maintenant, les deux ultime, ultime, les deux ultimes de vaincre cet esprit pharaonique. Sinon, écoute-moi bien maintenant, nous pourrions cela continuer et au lieu qu'il ne progresse, ne pour régresser, la bible dit comme ça, les ban Pharaon ran le peuple Israël, je te la vie amère. Peut-être te tu moi aujourd'hui. Te sens-tu toi qui te la vie lit amère. Tu envie de servir bon Dieu, mais au lieu te servir bon Dieu, donne-te le temps. Voilà que ça veut dire servir bon Dieu, te donne-te le temps aux choses de Dieu. À la maison de Dieu, mais te peux donner maintenant tout le temps aux choses de ce monde. Qui faire Ce n'est pas parce qu'il te pas envie de servir mon Dieu, mais pour ta propre existence dans la terre, tu as obligé de faire les. Tu peux comprendre moi là Alors, indirectement, au lieu que nous puissions servir Jéhovah, nous puissions servir Pharaon. Est-ce que te peux comprendre moi Alors, pour nous vaincre à l'esprit, là, mes frères et messieurs, nous devons comprendre ce manigance, nous devons comprendre comment il travaille, nous devons déjà ouverts afin qu'il nous capable d'un lit une ou tout. Alors, nous get ce étape, par exemple, qu'il peut utiliser pour empêcher nous de l'avant et nous peux trouve tout cela dans la Bible. Alors, step number one, étape numéro un, Moi, je vais te dire ça, je vais te dévoiler devant toi maintenant, donc toujours le point numéro un, je vais te dévoiler devant toi cinq étapes que l'esprit pharaonique les servit pour empêcher de servir mon Dieu. Alors, comprends bien, numéro un, l'esprit pharaonique, il pouvait faire tout pour tie ta do, ta, en anglais to tie you down pour attache-toi afin qu'il te être toujours dans ce service de l'esclavage et de la servitude. L'esprit pharaonique là, il rusait, il faire tout possible. Pour rendre la vie misérable, amère, afin qu'il est capable, attache-toi, rendre la vie difficile, afin qu'il te, te reste toujours dans ce service, dans l'esclavage et dans la servitude. Alors écoute bien maintenant, il n'est pas pour les soirées facilement. La Bible dit comme ça, dans Exode chapitre 5, dans chapitre 4, Dieu dit comme ça Hey, laisse mon peuple parler. J'ai besoin servi moi. J'ai besoin adore moi. OK? Mais Exode chapitre 5, le verset 2, et Pharaon dit: Qui est l'Éternel pour que j'écoute sa voix et que je laisse aller Israël? Je ne connais pas Israël l'Éternel et je ne et je ne laisserai pas non plus aller Israël. Bon, pas pour laisser Israël aller. Il a pas de Il directement de la bouche de Pharaon, mon pas pour les autres aller. Qui bon Dieu Qui bon Dieu Non, mon pas pour les autres aller. Alors Pharaon, il peut faire tout afin qu'il est capable d'attache-toi, lier-toi, la vie de euh, misère, amère, pour les gratter toi dans ce service, pour l'esclavage et la servitude. Ok, l'esprit pharaonique, l'envie qui te travaille jusqu'à ton l'iran la vie dure et amère pour que tu restes dans le lieu de la servitude. Et toi maintenant te donner les meilleurs de tes années. Maintenant on a beaucoup d'imoun, de ont envie servir mon Dieu mais je suis pas capable. Je dis comme ça. Quand je finis retraité, c'est Léa là qui me poussé à vivre bon Dieu. Ça veut dire que tu peux donner le meilleur de la vie, de jeunesse, à un lot au qui te donne à Dieu. D'ailleurs, si tu te donnes la vie à Dieu, tu n'as plus beaucoup de récompenses. Mais ça l'esprit pharaon là, l'esprit pharaonique là, il y de la vie misère, difficile, afin qu'il te pas capable, il connaît si tu te débouches de ici, la vie là-bas est correcte. Mais il toi captif. Deuxième étape, tu pharaon pour servir l'esprit pharaonique. Maintenant, les connais si tu as, as envie de servir bon Dieu. L'esprit pharaonique, maintenant, il peut permettre toi de prendre compromis pour servir Bondier, Dieu, mais qui te reste là avec lui. Qui ne te quitte aucune place. Qu tu restes là avec lui. Exode chapitre 8, le verset 25. Exode chapitre 8, le verset 25, s'il vous plaît, rapidement. Et Pharaon appela Moïse et Aaron et lui dit, et Aaron leur dit, allez sacrifier à votre Dieu dans ce pays. Reste la même. Mais n'a pas de place, reste la même. T'as envie de vu bon Dieu, oui. Mais besoin de rester là. Tout bizarre reste là. Mais Moïse dit il n'est pas à propos de faire ainsi quand nous sacrifierons à l'éternel notre Dieu l'abomination des Égyptiens voici si nous sacrifions l'abomination des Égyptiens devant leurs yeux euh, ne nous lapiderait-il pas alors dans cette étape nous trouvons que l'esprit pharaonique risé comme il est lui cède à une certaine pression vous pouvez vivre Dieu moi. Oui, je connais mon appui de travail, overtime, double time, mais quand même ça, on parle pas un de prière. Ok? Il n'acceptait que tu puisses vivre bon Dieu, mais il est qui te reste là avec lui pour construire ce même pyramide. Ça veut dire Satan, il laisse toi, il donne-toi un petit accord pour te servir mon Dieu, mais seulement, de le temps, il bien, jusqu'à ce libre, mais ça a le temps libre là, il bien limité. Et ça, l'esprit pharaonique, là, c'est liquide, déterminé, quand peux peut aller à l'église, quand tu pas capable à l'église. C'est pour cela que je trouve, je dis, pas capable à l'église dimanche matin, pas capable d'aller la réunion de prière dans la semaine, qui fait trop beaucoup de travail. Pas capable qui travaille, sinon, la famille n'est pas capable de vivre. Je peux être là. Alors, nous ne pouvons pas rendre nous compte qui nous est l'esclave de cet esprit pharaonique. Nous avons envie à la réunion de prière, mais si on nous fatigué, nous ne pas capables. Nous ne pas capables. Nous avons envie à la réunion l'étude biblique dans le mercredi, mais pas capables parce que, quand nous retournons là pour son petit travail, pour venir dans l'église, pour prendre trois bis, pour rentrer dans, dans la réunion là ici nous ne retour, pas capable. Ça veut dire l'esprit pharaonique est déterminé quand tu es capable à l'église, qui joue tu es capable de servir mon Dieu. Est-ce qu'il se peut comprendre, moi, là Est-ce qu'il est clair dans ce je de la tête ce soir C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'immunes, beaucoup de Mauritiens, qui peuvent souffrir maintenant, qui se disent capables capa seulement à l'église dans dimanche. Troisième étape de Satan, l'esprit pharaonique. Écoute bien maintenant. Écoute bien maintenant. Pharaon, l'esprit pharaonique, parle il parle qui toile trop loin. Qui ça Tu t'en trop fanatique, fanatique Tu deviens devenu trop fanatique, qui Tu es plus content Dans Exode chapitre 8, le verset 28. Exode chapitre 8, le verset 28. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'éternel, pour servir l'éternel, votre Dieu de sacrifice dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant prier pour moi. Pas trop loin. Pas trop loin. Ça veut dire de trouver qu'ici, nous gagnons un avertissement. Pas trop loin avec Dieu. Pas trop loin. Pas en plus profond encore. Et n'a pas mis autre envie à plus loin, mais pas capable. Envie dans plus profondeur, mais pas capable. Amen. Satan, pas pour l'histoire, pas pour l'histoire étape numéro 4 maintenant écoute-moi bien numéro 4 l'esprit pharaonique les palais qui te enfants qui te ancien servi Dieu. les papoulés, les papou qui te maman, to papa te to grand-p to ton de to cousin de cousine de man enfants de petits-enfants, servi bon Dieu Exode, chapitre 10, le verset 7. Exode, chapitre 10, le verset 7. Il y comme ça. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, « Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt ?» On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. « Alors allez, leur dit. » Servez l'Éternel, votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Ah! Il a une condition là. Ça pour aller. Moïse répondit Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon dit Que l'Éternel soit avec vous. Tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants, prenez garde quand le malheur est devant vous. Les palais qui te servent, bon Dieu. Les palais de vos enfants servent, enfant bon Dieu. Quand tu trouves vos enfants qui grandit dans l'église, mais je pénètrent les pousser pour servir, bon Dieu, comprends bien, c'est l'esprit pharaonique qui empêche. C'est l'esprit pharaonique qui lâme l'hameçon dans de la bouche. Tu te pétales, moi là? Alors, maintenant, non seulement, il prend peste toi, il prend peste tes enfants, tes petits enfants. Comment il te pousse la guerre de À l'église. Tu es à un certain âge, je ne pas à l'église, moi. Tu dois arrivé à Et tu pas tout à toi pour te faire figure. Ça te bondit, pas mon bondit, ça. Ce moi là et c'est même garçon, une fille, qui n'est pas capable de naissance. Mais c'est Dieu qui donne toi sa petit baba-là. Maintenant, il peut se comme ça avec toi. Amen. Il ne pas à la Bible, il ne pas prier, il ne peut pas content contre bon Dieu, il est pas contre la, la louange. Quand tu mets la louange, ça hérite lui. C'est quoi ça C'est l'esprit pharaonique. Est-ce que tu peux comprendre moi, mes frères et mes sœurs Étape numéro 5, l'esprit pharaonique, décourage-toi pour investir des finances dans le ministère. Gé dans Exode chapitre 10, le verset 24. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Mais comment pourquoi? C'est bien Dieu, c'est la brebis, c'est bien la bœuf. À l'époque, voilà l'ange, c'était les brebis les cattels, les brebis et les bœufs qui sont utilisés comme un bout de système pour acheter et vendre. Qui te casse ici? Qui te casse ici? Parler, allez-toi, mais pas de narguier, n'a pas de narguier. Je trouvais beaucoup de bonnes personnes aujourd'hui. J'ai envie de servir mon Dieu, mais je parlais de, je parlais dans je parlais d'investir de gym et pas la guerre avec la gym et les offrandes. Je peux faire tout, moi, pasteur, Je peux faire tout, moi, docteur Glenn, Je peux faire tout, oui, oui, mais juste pas cause de finances. De finances, ils représente la vie. Je peux être moi. Pour moi, tout ce que Dieu donne de moi, il pour Dieu. C'est pour Dieu. Pas juste Jim, la gym Tout, ça Dieu dit à moi, est Dieu, moi, c'est pour Dieu. Tout le partnership qui vit dans les ministères, nous met dans l'évangile. Dans l'évangile. Je peux être moi là. Nous faisons une nouvelle chaîne, radio, voyage. Euh, euh, Entier dans le monde pour prêcher l'évangile, ne pas mettre aucune pression Lord Amen. Alors, qui faire Les palais, les palais, les détestés qui te investissent, te finance dans l'évangile, parce que Satan connaît qu'une église en faillite, c'est une église stagnante. Une église en faillite, et l'église stagnante, Pas pour qu'elle faire beaucoup de choses. Amen. Amen, amen, amen. Maintenant, écoute bien maintenant. Mais, nous pouvons servir bon Dieu. J'ai avec moi, nous pouvons servir bon Dieu. Mes enfants pouvons servir bon Dieu. Mes petits-enfants pouvons servir bon Dieu. Amen. Mes cousins, cousines, pour servir bon Dieu. Nous pouvons servir lui. Quand les gens nous servir lui. Nous pouvons aller avec tout le cœur. Nous pouvons aller avec tout le la force. Et nous pouvons aller avec nos finances. Amen. Nous pouvons s'aimer dans l'Évangile. D'ailleurs, quand nous s'aimons dans l'Évangile, nous pouvons gagner 100 fois plus. Nous pouvons gagner 100 fois plus. Jésus-même qui nous dit ça. Amen. Il y a à peine quelques homme qui quitte maman, papa, femmes, enfants, la terre, la cage, pour le cause de l'Évangile. Qui dans ce monde-là, c'était la même. Ils pour gagner. 100 fois le centiple. Persécution et en même temps, le centiple. Amen, amen, amen. Alors, rapidement, maintenant, comment nous finir avec ce pharaon? Comment nous finir avec pharaon une fois pour toutes? Alors, regardez dans Exode, chapitre 10, le verset 29. Exode, chapitre 10, le verset 29. Avant qu'il ne l'y ait, avec moi. Moi, pour servir Dieu, mon famille poussait à vivre Dieu. Mon enfant poussait à vivre Dieu. Nous poussions à vivre avec nous la vie, avec nous le temps, avec nous courage, avec nous la force et avec nous finances. Amen, Amen, Amen. Alors maintenant, Exode chapitre 10, le verset 29. Moïse répondit à Pharaon, l'appelé de la Bible Martin. Tu as bien dit, je ne verrai plus ta face. Je ne verrai plus ta face. Je bon, n'ai pas envie de face. Moïse <laughs> bon, est un Moïsien. Je n'ai pas envie de toute face. <laughs> <coughs> amen. Pharaon. Moïse, col, col, avec Pharaon. Tu n'as pas pour trouver beau face. pas pour tout au face. Saut devant moi, allez. OK. Maintenant, comment se fait qu'il ne trouve la face de... Amen de Pharaon. Gait dans Exode chapitre 12, le poulier, les trois versets, il y a deux questions qui nous besoin utiliser. Pour nous, enfin, trois questions, OK? Trois questions qui nous utiliser pour utiliser. Une fois pour tout, n'a pas trouvé nous pas trouvé nous sous le euh, visage de Pharaon. Alors, gué bien maintenant. Exode chapitre 12, le premier verset. Or, l'Éternel avait parlé à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte en disant, ce mois-ci, vous sera le commencement de mois. Ah, mon un nouveau commencement. Un nouveau commencement. Il vous sera le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'Assemblée d'Israël en disant qu'au dixième jour de ce mois, chacun d'eux prenne une, un petit d'entre les brebis ou d'entre les chèvres, selon les familles, de père, un petit, dis-je, d'entre les brebis ou d'entre les chèvres, par famille. Prends un brebis. Le brebis représente le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Descendons le verset 21 maintenant. Moïse donc appela, le verset 21, Moïse donc appela tous les anciens d'Israël et leur dit, choisissez et prenez un petit d'entre les brebis ou d'entre le chef selon vos familles et égorgez la Pâque. La Pâque. Pour, puis vous prendrez un bouquet d'isop, et le tremperez dans le sang qui sera dans un bassin. Écoutez bien maintenant. Et... « Vous arroserez du sang qui sera dans le bassin, le linteau et le deux poteaux. »« Et nul de vous ne sortira de la porte de sa maison, amen, jusqu'au matin. »« Jusqu'au matin. »« Car l'Éternel, verset 23, passera pour frapper l'Égypte et il verra le sang sur le linteau et sur le deux poteaux. »« Et l'Éternel passera par-dessus port la porte et ne permettra point que le Destructeur, » Entre dans vos maisons pour vous frapper. Vous garderez ceci comme une ordonnance perpétuelle pour toi et pour tous les enfants. Écoute bien maintenant. Ça veut dire quoi Écoute bien, première chose, pour le capard, débarrasse nous capables, débarrasse-nous de Pharaon. Bizin, et le sang versé et le sang appliqué. Le sang versé, c'est quand Jésus-Christ, il donne sur la vie pour nous, l'inverse, se 10 l'eau, la croix. Tout pareil, comme à sa tu es égorgé pour une famille, Amen, pour une personne, pour Israël, je pète un moi là, et je lis comme ça, mette-lui l'eau trois poteaux. Maintenant, comment je l'écris vais... Comment je fait ça, je mets ça l'eau trois poteaux Je prends l'isop. écoute bien maintenant, je fais les trois poteaux. Des côtés, un là-haut. Comment je fais un Je mets 10 ans comme ça, comme un lacroix. Vous êtes bien maintenant. De bien maintenant. Trois. Un poteau à gauche, un poteau à droite, et un l'un tout. Je prends l'isop, 30 lit dans 10 ans. Ce 10 ans-là, je ne peux pas mettre l'isop en bas. Il besoin d'un bassin. Il n'est pas capable de mettre l'eau euh, au le, 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 euh, le sol qui fait parce qu'il n'a pas gagné droit selon le sang de Jésus-Christ. Nous bizarre en bas le sang, jamais nous mettre le sang en bas de les pieds. Je pète moi là, je prends sa liseau là dans son bassin là, dans son baquet là, je fais ainsi de la croix à gauche, ainsi de la croix à droite, ainsi de la croix, lolento. Qui t'en a là Trois la croix. Trois la croix. De par rappel, au jour du calvaire, tiens as trois la croix, un à gauche, un à droite, et un là-haut. L'on Est-ce que je peux comprendre moi, mes frères et mes sœurs? Ça veut dire, la Bible dit nous comme ça, nous continuons le verset 28. Ainsi, les enfants d'Israël s'en allèrent et firent comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse et à Aaron, et ils le firent ainsi. Le verset 29, et il arriva qu'à minuit, l'Éternel frappa tous les premiers né du pays d'Égypte. Amen. Depuis le premier-né de Pharaon, qui devait être assis sur son trône, jusqu'au premier-né de captif, qui était dans, dans la prison, et tout le premiers né de bêtes. Qui fait, parce que Israël. Pharaon, in tous premier-né de Dieu, c'était Israël. Et Pharaon se leva de nuit lui et ses serviteurs et tous les Égyptiens. Et il eut un grand cri en Égypte, parce qu'il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Il appela donc, Moïse, appela, Pharaon appela donc Moïse et Aaron de nuit, et leur dit, ⁇ Lèvez-vous, sautez du milieu de mon peuple, tant que, tant que vous, que les enfants d'Israël, et vous, en allez, servez l'Éternel comme vous en avez parlé. ⁇ Amen, Amen. Prends ton menu, un euh, gros bétail, selon que vous en avez parlé, et vous en allez aussi. Et bénissez-moi. Amen, Amen, Amen. Et la Bible dit comme ça d'autres fautes, les autres aller. Pharaon, in les autres aller Qui fait À cause, ça dit son verset là. Amen. L'eau des côtés poteaux et l'eau l'into. Zamélie en bas, qui fait Parce qu'il nous respectait le sang de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Pharaon, bien les autres aller. Alors nous trouvons un des questions qui débarrasse nous de Pharaon. C'est quoi? C'est le sang versé et le sang appliqué. Maintenant, le sang versé est appliqué, mais Pharaon, il est encore la même. Et il peut poursuivre Israël. Laisse-toi sortir de l'Égypte. Mais maintenant, il y a encore poursuivre toi-même. Il y a encore taquiner toi. Maintenant, comment te faire pour débarrasser toi une fois pour tout Là, c'est ça qui te maintenant. Rapidement, Exode chapitre 14, le verset 10. Lorsque Pharaon se fut approché, les enfants d'Israël levèrent leurs yeux et voici les Égyptiens marchaient après eux. Les enfants d'Israël eurent une, une grande, une forte, grande peur et crièrent à l'Éternel et dis à Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas de sepulcre en Égypte que tu nous ai emmenés pour mourir au désert Qu'est-ce que tu nous as fait tu nous as fait de nous, nous avoir fait sortir d'Égypte, n'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte, disant retiens-toi de nous et que nous servions les Égyptiens. Vous trouvez là? Car il vaut mieux que nous le servions que si nous mourions au désert. Et Moïse dit au peuple, ne craignez point, arrêtez-vous et voyez et voyez la délivrance de l'Éternel, laquelle il vous donnera aujourd'hui. Continuez maintenant, car pour les Égyptiens que vous avez vu aujourd'hui, vous ne le verrez plus. Amen, amen, amen. L'Éternel combattra pour vous et demeurerez et vous demeurerez tranquilles. » Or, l'Éternel avait dit à Moïse, que crie-tu à moi Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Verset 16 maintenant, verset 16, et toi, élève ta verge et étends ta main sur la mer et la faim, et que les enfants d'Israël entrent au milieu de la mer à sec. Et quant à moi, voici, je, je m'en vais endurcir le cœur des Égyptiens afin qu'ils entrent après eux, et je serai glorifié en Pharaon et en toute son armée, et ses chariots et ses gens de cheval. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand j'aurai été glorifié en Pharaon, en ses chariots, et en ses en, en gens de cheval. Alors, et bien maintenant, alors, verset 21. Or, oh, Moïse avait étendu sa main sur la mer et l'Éternel fit reculer la mer toute la nuit par un vent d'Orient. Deux qu deuxième question qui nous besoin et troisième question. Premier, c'est le sang versé, le sang appliqué. Ça sauve-nous la vie. Nous sortit de l'Égypte. Mais Pharaon les continue, vinième. Qu'est-ce qui peut pour lui, débarrasser-toi de Pharaon une fois pour toutes C'est nous besoin de la verge et le vent. Oui, tu as le sang. Maintenant, tu as besoin de la verge. C'est quoi la verge? La verge, c'est l'autorité de la Bible. La verge, c'est l'autorité de la Bible. Maintenant, tout le monde qui se qui encore peut suivre toi, malgré qu'il te n'ait sauvé, te prends ta verge. Ça même ta verge de l'autorité te lève le contre tout l'obstacle devant toi, derrière toi. Ça l'obstacle là ouvert. Comment il Par le vent. Le vent les représente le Saint-Esprit. Alors, mon étonnant est fini. Quoi, oh, quelque chose qui nous <coughs> bise, c'est quoi? Ce, le sang versé, le sang appliqué, la verge de l'autorité de la parole de Dieu, et puis le vent du Saint-Esprit. Vous avez moi là? Le vent du Saint-Esprit. Si, moi, tu n'as assez d'étampis encore? Tu peux plus beaucoup de détails, mais c'est assez pour aujourd'hui. N'oublie pas que demain, dis avec moi, tout du monde, demain, qu'il est la demain Demain, quelle heure À 21h. Demain à 21h, pile, dans réunion, dans prayer room, à 9h, pile. Pas 9h N, pas 21h N, pas 21h 21 2. 21h03 avant de rentrer dans la prayer room, link les déjà le Facebook. Vous êtes rentrés vous mieux microphone. Ne peut pas deux deuxième dans la prière. deux temps dans la prière, ne peut mettre l'emphase, le détrier, l'esprit pharaonique. Moi espérez sa nouvelle vidéo aujourd'hui qui l'empêche-toi de servir, bon Dieu. Les pouroles empêche toi servient bon Dieu. Alors, n'oublie pas. Alors, comme on a fait toute faire toutes les semaines, tous les jeudis, je trouvais l'écran, là, il y en a, glenarekion.org show a seed forward slash show a seed On a pu prendre l'offrande le tous les jeudis, voilà, je suis capable de donner des en créole, en, en roupie, ok, et ça, pour bénir, bénir l'évangile. Amen. Si tu n'es pas encore venu avec nous, je te demande de venir avec nous plus beaucoup de partenaires, plus beaucoup de faire. Amen. So, ici, sois ici. So et n'oublie pas que en septembre 15, 16 et 17, trois jours, trois jours, Amen. Nous prenons encore cinq ou six sessions. Le call de prière et le supernatural, il y a 500 rupies. L'écran devant vous je trouve. Je suis capable payer directement sur du site web. Je bon, préfère ça, qui est OK? Alors, s'il vous plaît, allez direct, l'eau, nous, site web. Mais maintenant, si tu n'es pas capable de faire l'eau, le, le nous, site web, comment tu va écrire là, l'eau, pour juste, te faire aller pareil. L'eau, MCB C, B, et un seul en d'anglais, on dit qu'il y en a deux. OK ça, nous pourrons rectifier ça plus tard. OK voilà, voilà, voilà. Moi, je que ça a une, une, une cause dans tous les cœurs aujourd'hui. Partage le message, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, nous vous plus beaucoup de partenaires encore parce que nous, Ena, nous, Roku, nous, Chen, Roku. OK? C'est eux-mêmes partenaire partenaires qui permettent de nous faire ça. C'est pour cela que nous capable, si nous n'avons plus beaucoup de partenaires encore, nous sommes capables de faire plus beaucoup de euh, travail pour Dieu. en fait, ma réunion finie pour vous mettre un. Euh, si ça disponible en Australie, tu es capable de gagner Nous mettons met tout le classique. Le prédication classique. Après, nous mettons le nouveau. Comme tu as un CV, tu l'as là. -là. <laughs> amen, 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 amen. Alors que Dieu vous bénisse. Contre-soi de beaucoup. Sainte dans l'évangile. Bye bye.